mon père est décédé en 1934. Mon frère et ma mère ont été déportés par le convoi numéro 66, où ma mère a passé son 38e anniversaire de naissance. Mon frère est revenu à l'âge de 16 ans. Les quatre survivants du convoi 66 de ma famille sont décédés et j'ai apporté des photos d'eux. Une photo de 1929. Ma mère tient Philippe, mon frère, dans ses bras, près de mon père, Adolphe. Ils sont là tous les trois. Il doit avoir 4 ou 5 mois. La deuxième photo montre deux jolies jeunes femmes déambulant sur la promenade des Anglais. C'est Marguerite Cario, ma mère, et Estrella Cario, ma tante, également du convoi numéro 66. On va regarder une première photo, si vous voulez bien. Alors écoutez, moi je vais vous montrer la photo de mon père. Cette photo a été faite à Pithiviers. Comment s'appelait votre papa? Mon père s'appelait Mogès Stokzik. D'accord. C'est une photo qui a été faite en juillet 41. Oui. Alors qu'il est arrivé vers le 14 mai 41 à Pithiviers. Et il faut reconnaître qu'à Pithiviers, il y avait un artiste qui a fait beaucoup, beaucoup de portraits. Alors ça, c'est une photocopie. Est-ce que je peux vous la montrer? Oui, vous avez l'original, je suppose. J'ai l'original qui est en couleur. Et voilà mon papa qui était né en 1904 à Varsovie. Ben, je me souviens surtout de son départ, puisque nous avons reçu ce fameux billet vert qui nous demandait de nous présenter au commissariat de police. C'était quelle date exactement? C'était le 14 mai 41. Donc, mon père est resté au commissariat avec d'autres hommes et on a demandé à ma mère de revenir avec des vêtements chauds et 48 heures de nourriture. Donc, on est retourné à la maison à Vincennes et on est retourné au commissariat de police, apporter ce qui avait été demandé. Et à ce moment-là, on nous a dit qu'il partirait de la gare d'Austerlitz. Donc, on a couru à la gare d'Austerlitz et c'est là où j'ai vu mon père pour la dernière fois. Mais nous sommes allés voir mon père à Pithiviers. Nous sommes allés faire. On a pris le train. Ma mère a dit : écoute, Moïse, sauve-toi, sauve-toi. Parce que c'était possible. C'était perméable. Je ne dirais pas que tout le monde pouvait se sauver, mais c'était un camp d'internement qui était assez perméable. Il y avait ceux qui travaillaient dans une usine du coin. Je ne sais pas si mon père a travaillé, mais je sais qu'il y avait une possibilité de s'évader s'il le souhaitait. Et je me souviens encore que mon père avait dit en yiddish, et ma mère me l'a traduit ensuite, « Écoute, je suis en France, nous sommes français, où nous allons être français, et j'ai une fille qui est française, puisque moi j'ai été naturalisée à la naissance. » Donc il n'a pas éprouvé le besoin de s'évader, et nous sommes allés le voir deux fois. Il était dans la baraque 14, certains sont en manche de chemise, lui il est là c'est un short, maintenant ça serait un bermuda. Et puis une autre photo, mon père est le seul en clair, qui est en train, je le pense, ou du moins je le crois, de m'écrire une lettre. Donc il y a eu des échanges de courriers à ce moment-là? Il y a eu des échanges de courriers, bien sûr, puisque mon père m'a écrit
de merveilleuses lettres d'amour. Ah, que vous nous montrerez, que vous nous J'étais sa bien-aimée. Il était fier que je sois à l'école, il était fier que je porte l'étoile juive, que j'allais devenir une grande mademoiselle française. Surtout, j'ai la dernière lettre de mon père avant le grand départ. Il écrit à ma mère, elle a été traduite du polonais. Voilà, mardi 23 juin 1942, mon amour. Il est 9h45 le soir, je me repose un peu après la journée difficile, parce que ce n'est que maintenant qu'ils ont fini les formalités concernant le départ. Il y aura 1000 personnes. Tu imagines quelle pagaille, des malades, des vieux, tout y passera. Tu vois, mon amour, il faut que tu sois raisonnable. Ne pleure pas. Au contraire, sois forte et tout se passera bien. Crois-moi que tout m'est égal. Je ne suis pas seule. Nous sommes 1000 qui partageons le même destin et nous espérons que ce cauchemar finira un jour. Il paraît que ce camp, Pithiviers, ils en ont besoin pour d'autres juifs. Je m'inquiète pour toi et notre enfant. Je voulais t'envoyer les boutons de manchette et mon alliance, mais j'ai pensé que cela te ferait trop de mal. Je t'en supplie, ne sois pas triste. J'espère que je reviendrai. Prends bien soin de notre enfant. Je regrette de ne pas pouvoir la voir grandir, notre fille adorée. Ne lui parle pas trop de mon départ. J'ai fini ma lettre. Si demain on est encore là, je te réécrirai. Je t'en prie encore une fois, sois forte, courageuse pour supporter toutes les souffrances. Je t'embrasse très très fort, mon amour, et je vais penser à vous deux à tout jamais. Quand les Français sont venus nous chercher le 16 juillet 1942, mon père était déjà à Pithiviers. Nous n'avons pas voulu descendre tout de suite. Et c'était au mois de juillet, il faisait très beau. Et devant mes yeux, devant les yeux de ma mère, il y a une femme dans l'immeuble en face qui s'est jetée du 5e étage par désespoir. Un grand désespoir, elle avait aussi son mari, ses enfants. Et elle s'est jetée par la fenêtre et moi je vois encore le corps tomber. Donc les Français nous ont dit « Madame, calmez-vous, petite fille, calme-toi, nous allons aller chercher une voiture et on vient vous chercher ». Et pendant ce laps de temps, si je dois la vie, c'est parce qu'il y avait une épicerie en dessous de chez moi. L'épicière nous a permis de nous cacher dans le cellier qui était au sous-sol. Mais je vous confirme que la voiture est venue nous chercher. Les photos que vous nous apportez, donc les premières photos de jeunesse, avant-guerre. Donc vous étiez... D'ailleurs, c'est 37, 39. Là, c'est déjà la première... La première ferme où on s'est caché. Oui, alors avant la guerre, donc vous êtes allé à l'école maternelle, je vois. Oui, hein, vous avez suivi très joli, très beau. Une photo de l'école maternelle. C'est très beau. Pour l'instant, ça, me fait... ça me fait rire de me voir. Oui. Et alors la guerre, donc à partir du moment où la guerre, quand la guerre a éclaté. Alors donc, nous habitions rue des Couronnes, au 90. Oui. Dans cet immeuble, nous étions les seuls israélites, beaucoup aimé par tous les locataires. J'étais même le seul gosse de l'immeuble, c'est pour vous dire comment qu'ils ont souffert avec moi, comme petit voyou. Vous vous souvenez de... Oh, je m'en rappelle, ça. On habitait du côté court, et alors, comme le propriétaire était un policier, enfin un simple policier, comme à l'époque on appelait les hirondelles, qui était propriétaire de l'immeuble. Quand il a su qu'il y aurait les grandes rafles des femmes et des enfants, mon père était déjà interné, hein, Pithiviers. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, pour Pithiviers. Pithiviers, oui, il s'est passé quelque chose d'assez rare. Ma mère n'était pas mariée civilement. Donc, d'un seul coup, c'était une femme de tête quand même, elle a dit quand même, elle va régulariser, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on va régulariser avec mon mari, enfin, se marier civilement. Moi, j'étais déjà né, hein, puisque j'étais en 34, ça c'est 41. Et alors, bon, elle a fait les papiers sûrement nécessaires, et ils se sont mariés à Pithiviers. D'accord. À la mairie de Pithiviers. Avec deux témoins sortis du camp. Oui.
les gendarmes nous accompagnaient. Donc on a été jusqu'à la mairie. Le maire a fait tout le discours qui convenait. Et au dernier moment, elle lui demande, le maire lui demande si elle a un enfant. Elle a eu un temps d'hésitation. C'est là que ça fait mal. Ça fait pas mal, mais ça fait drôle. Elle a dit non. Et j'étais à sa jupe, accroché à sa jupe. Oui, et pourquoi, d'après vous ? Parce qu'elle a eu un doute. Elle s'est dit, si elle me déclare, j'étais déclaré, moi, de père et mère. J'ai la déclaration de père et mère, officiellement. Mon père m'a reconnu, ma mère aussi. Mais pour le mariage, pour l'acte de mariage, comme on lui a posé la question, elle a dit non, parce qu'il y avait les gendarmes. Elle a eu comme un doute. Et alors après, votre père, par contre, il a... Alors, mon père est parti dans les débuts de quatrième... Oui, le quatrième convoi pour le camp de la mort, là-bas. Auschwitz, oui. Alors, votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Alors, ma mère, elle n'a passé la guerre que de ferme en ferme. Elle a travaillé, puis comme elle était saisonnière, vous savez, il y avait de moins en moins d'hommes dans les fermes pendant la guerre. C'était la plupart du temps, c'était ou des vieux, ou les vieux, ou les femmes. Et bon, en définitive, je ne peux pas dire que j'ai été mal nourri. Je ne me rappelle pas d'avoir eu, à part à Paris, sentir la... J'ai mangé à ma faim, ma mère me donnait le premier œuf de la ponte d'une poule le matin à gober. Je vous raconte ça, c'est pour pas être si triste. Et vous alliez à l'école ? J'ai quand même travaillé dans certaines fermes en étant petit. Hein. Aller glaner pour glaner, vous savez ce que c'est ? Mmh. Avec les orties et tout dans les pieds. Et revenir avec un petit sac, et puis on nous pesait le petit sac dans certaines fermes, chez certaines paysannes, pour nous donner le petit morceau de pain qui correspondait au poids du sac. Bon, enfin, tout ça, ça s'est passé. On est resté vivants. Elle s'est débrouillée à chaque fois, très bien comme femme seule. Et... moi, je suivais tout le temps parce que quand elle me mettait quelque part, c'était plus fort qu'elle. Elle revenait me chercher. Elle ne pouvait pas. Ouais, c'est dur. Bon, un peu de répit là pour ça, parce que c'est un passage difficile. En fait. Oui, elle me revenait chercher. Alors, j'étais derrière la carriole. Elle me traînait, moi, les kilos de pommes de terre et de légumes et tout. Et elle allait les vendre, et puis elle partageait avec les paysans, disons, les recettes. Faisait des dizaines et des dizaines de kilomètres, parce qu'elle n'allait pas dans les grandes villes, elle allait que dans des bourgs, vous savez, des petits bourgs. Mais ça ne dégonflait pas, elle était devant des fois des commandantures et tout. Ouais, ben elle a été courageuse. Très courageuse, très très, oui. Et puis finalement... Oui, puis elle ne pouvait pas me quitter. Oui, vous n'avez jamais été séparés, quoi. Jamais. Bonjour, je vous appelle du Mémorial de la Shoah à Paris. Bonjour. Je vous appelle pour vous informer que, pardon, excusez-moi, que nous allons faire une cérémonie commémorative pour le convoi numéro 67 dans lequel il y avait le cousin Germain de votre père. Et lui, il était né où, lui à Varsovie. Et vous n'avez pas de documents sur la Pologne de Benjamin.
je ne sais pas, n'importe, écrit ou écrit à l'époque, hein, bien sûr, pas écrit maintenant, écrit des documents, bon, passeport, livret de famille, fausse pièce d'identité, est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Petite exposition temporaire, même si symboliquement elle est importante. Donc, mais vous l'avez vu, je ne fais pas le détail, on insiste sur l'entre-deux-guerres qui n'est pas qu'anecdotique, puisqu'on a vraiment travaillé sur le projet, montrer combien il y avait à la fois la construction d'une mémoire de l'engagement, hein, mais aussi l'affirmation d'un engagement qui se poursuit dans la société au nom des valeurs républicaines et contre l'antisémitisme et le développement du nazisme et du fascisme. Le formulaire d'inscription, eh bien, qu'il contractualise auprès de la Légion étrangère quelques jours plus tard, et puis sa photo en février 1940 dans l'uniforme. Non, le post-it, on va l'enlever, il y a un post-it dessus. Ah, enlevez-le, oui. C'est juste un repère de l'église. C'est cet écritoire fait par le père de Maurice King, Jacques King, qui, après les mesures de spoliation, voulu mettre en avant ses états de service pour montrer son attachement à la France et le caractère stupéfiant des mesures qui lui étaient imposées. Et donc on ouvre par ce document-là, avant de retracer le destin d'une douzaine d'engagés volontaires. Donc là, vous aviez bien apporté, en fait, les photos des déportés du convoi 66. Ces cinq personnes qui ont été déportées, qui étaient cachées dans cette ferme, près d'Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains. Il y avait 12 personnes dans cette ferme. Il y avait des fermiers. Il y avait des fermiers et vous étiez une famille de 12 personnes. Correct. Correct. J'ai bien compté 12, oui. 12. Vous avez été dénoncé. On suppose. A priori. Ça, on suppose. Mon frère pense qu'on a été dénoncé par le taxi qui devait nous emporter à la gare pour aller au Mont d'Or, puisqu'on avait déjà préparé des faux papiers. On était sur le départ. Mm-hmm. On avait choisi un refuge au Mont d'Or dans le Puy-de-Dôme. Il y a eu un choix terrible, en fait. Il y a eu un marchandage et un choix. Alors, d'où vient le témoignage ? Il vient de ma mère. Il n'y a que ma mère qui était présente aux discussions entre le chef des gestapistes et Aaron Cario. Le chef des gestapistes est arrivé dans il cette arrivé. Ferme il pour, est pour, ils rafler, étaient cinq. Pour rafler tout le monde, pour prendre tout le monde au départ. On sait pas. Allez savoir. Mm. Il a dit, j'ai déjà ordre d'en ramener cinq. Ou il a répondu à mon oncle qui lui a dit, j'ai de l'argent pour vous. De l'or, et vous n'avez pas besoin de le partager avec vos collègues, si vous laissez derrière les femmes et les enfants. Et il a répondu, d'accord, mais il faut que je ramène cinq personnes. Et les autres, je viens les rechercher dans les 48 heures. OK ? Le choix des quatre premiers s'est avéré facile. C'était les deux femmes sans enfants en bas âge. Oui, parce que... Puisque moi j'avais 10 ans, j'étais le plus jeune. Oui. Et les deux hommes, n'est-ce pas ? La femme enceinte avec trois enfants, c'était de toute façon mauvais choix. Et le cinquième, c'était entre grand-père, 64 ans, et Philippe, 14 ans. Ma mère dit
et assure que ses frères ont fait pression sur elle pour qu'elle choisisse son fils au lieu de son père. N'est-ce pas? Et elle a cédé aux pressions. Le résultat a été désastreux pour la famille. Mon frère n'a jamais pardonné à la famille cet outrage. Parce qu'ils ont survécu, à l'exception de votre oncle. Voilà. Ils ont tous survécu. Ils ont, tous les 4 sur 5 ont survécu. Oui. Et mon frère a dit, Henri m'a demandé pardon à Auschwitz et je le lui ai accordé. Hein? Mais mon frère a été traumatisé, détruit par la rancune qu'il portait à la famille. On dit de la rancune que c'est le poison qu'on absorbe en espérant faire mal aux autres. Et c'est tout à fait ce que ça fait. Sauf que là, il s'est fait mal aux autres et mal à lui-même. La destruction continue. Hitler est toujours vivant. Il est toujours là à faire le mal qu'il a semé. Ça se poursuit. Parce que ma sœur et moi, on s'en est sorti avec un sentiment de culpabilité qui ne m'a jamais quitté vis-à-vis de mon frère. Il est parti à ma place, n'est-ce pas? À la place de votre grand-père, mais... Mais il est parti à ma place. Vous l'avez ressenti. Ils avaient besoin de 5 personnes, moi je suis laissé, il est parti. Oui. Ça, il ne me l'a pas pardonné non plus, sans jamais le dire, n'est-ce pas? Et on a eu des relations extrêmement difficiles. Dieu merci. On s'est réconcilié 100% un an avant sa mort. On est redevenu grand copain. Ça s'est très bien passé la dernière année de sa vie. N'est-ce pas? Bon. Il a vécu jusqu'à quel âge? Pardon? Il a vécu jusqu'à 76 ans. 76. Il souffrait de myasthénia gravis et de toutes les séquelles de la déportation. On doit tous la vie à quelqu'un et souvent à plusieurs personnes. Oui. Hein? Et puis, il y a le hasard. Pourquoi que le sous-officier allemand qui a vérifié mes papiers à Lyon-Perrache n'a pas posé de questions? S'il posait une question, on était foutus. J'étais trahi par la question. Il n'a pas posé de question. Il a regardé le papier et est parti. Je le ressens encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête? Je ne sais pas. Et puis alors, il y a la chance. Hein? J'ai eu toutes les chances et mon frère aucune. Ma mère tient Philippe, mon frère, dans ses bras, près de mon père. Ils sont là tous les trois. Il doit avoir 4 ou 5 mois. La deuxième photo montre deux jolies jeunes femmes déambulant sur la promenade des Anglais. C'est Marguerite Cario, ma mère, et Estrella Cario, ma tante, également du convoi numéro 66. La photo suivante montre ma mère et ses 3 enfants sur le paquebot Liberté en route vers New York en février 1951. Voilà les photos que j'ai rapportées. Dans les sacs pendant toutes les 2 jours de la rafle du Veldiv par ses voisins arméniens. Et je me souviens de ça, je me souviens d'épisodes, d'avoir eu faim. T'as écrit tout ça? Non, j'ai pas écrit. Mais qu'est-ce que ça. Tu attends? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas pas le disputer? Je ne sais pas. Mais oui. Si, il faut. Je sais pas. Ça serait bien de le faire. Oui, oui. Et donc, je me souviens des bombardements à la Libération. Je me souviens qu'il y avait des choses comme ça. Je me souviens de. Mes parents m'ont ramené. Je crois que je vais te téléphoner tous les 15 jours pour te... Mais il faut est-ce qu'on peut le houspiller? Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Quoi?
On ne se raconte rien. Depuis. Oui, non, attends, c'est des bribes. Mais comme lui, il ne nous connaît pas, il nous raconte toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Exactement. Non, pensant que lui, il doit connaître, certainement. Oui. Moi, je suis né en 47. Donc, tu sais, je ne sais pas. Non, mais je veux dire, tu n'as jamais raconté à ton frère ? Non, bah, je pensais pourquoi que lui avait entendu moi, j'étais ça convaincu de nos parents, qui lui avait dû lui raconter les choses. Bien sûr. Moi, je pensais qu'il ignorait rien de tout. Et tu t'étonnes que les parents n'aient pas parlé, si toi, tu ne parles pas non plus. Les parents ne parlent pas. Pour seule réponse, il sera arrêté, déporté à Auschwitz et assassiné. Les deux enfants qui avaient été cachés en France ont survécu à la guerre. Alors, parmi ces destins, il est difficile de passer. Maman, elle n'a rien donné. Elle a rien donné, ni les photos, ni les papiers, ni les lettres. Et ça fait 20 ans que je suis. Donc, il faudrait qu'elle commence. Boulevard Bonmarché, ça fait 20 ans. À confier au mémorial, voilà, des souvenirs. J'ai trop peur qu'on m'enlève. Mais non, on les copie. Non, non, mais maintenant, ça va. Je vous garantis, je vous promets qu'on va. Attendez, on va pas vous enlever vos originaux. Mais non. Moi, je suis aussi venue avec tout ça. Eh bien, j'aurais dû venir depuis longtemps. Il est mort. Mais c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Et j'ai toutes ces lettres qu'il a écrites à mon père, c'est mon oncle. Il est mort à 36 ans. Il est enterré à Bagneux, au monument des engagés volontaires. Son nom, Marcel Pudermich, c'est son nom. Et voilà, j'ai cette grande photo, mais j'en ai plein. Il a créé un atelier de couture dans son stalag. Et il a créé tous les costumes, ils ont monté des pièces de théâtre. Il est resté en captivité depuis 1941 jusqu'à la libération. Et lorsque le stalag a été libéré, toute la troupe est partie avec un drapeau blanc et tous ont été mitraillés par un avion américain. Ils étaient libérés et ils ont tous été mitraillés. Les Américains ont dit qu'ils ne voulaient pas mitrailler les... Oui, mais ils étaient tellement bourrés de whisky qu'ils ont mitraillé. Mais ça a été encore pire après. Attention, on ne l'abîmait pas. Oui, je veux bien. Et j'ai toutes les lettres. Vous viendrez. Je reviens. Moi, je suis bénévole. Allez-y, madame. Mais alors, vous donnez vos papiers. Enfin, vous venez montrer aussi les papiers qu'on vous les scanne. Oui, bien sûr. Le mardi après-midi. Mais de toute façon, je vais vous dire, je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas d'enfant. Alors, je veux que quelque chose reste quelque part. Donc, vous venez pour des photos ? Voilà, comme j'ai vu qu'il y avait une exposition sur les engagés volontaires et que mon père avait été engagé volontaire, et j'ai retrouvé récemment un groupe de photos qu'il avait fait à cette époque. Et donc, je me suis dit que ça pouvait intéresser le mémorial. Absolument. Donc, il a été engagé volontaire. Voilà, en 1939. Vous savez où ont été prises ces photos ? À Barcarès. À Barcarès. Ah, là, c'est la captivité, là. Parce qu'il a été fait prisonnier le 6 juin 40 à la bataille de Misery. Mmh. Et donc, ensuite, ce sont des photos du Stalag 17A en Autriche. Et il a passé toute la guerre là-bas ? Il a été libéré en 42 parce que j'étais née entre-temps. Il était père de famille nombreuse, et comme on a libéré pour la relève les agriculteurs et les pères de famille nombreuses, il a été libéré en octobre 42. Okay, et donc il est rentré à Paris. Et là, il a dû se cacher, puisqu'on arrêtait... On arrêtait beaucoup de membres de ma famille à cette époque-là. En fait, non, il nous a pas tellement parlé. En fait, je voulais l'enregistrer vers la fin de sa vie. Et malheureusement, il est tombé malade. Et donc, j'ai 10 minutes de sa voix.
Et comme il était hospitalisé, j'ai dit, bon, on verra quand tu sortiras de l'hôpital. Malheureusement, il n'est pas sorti. Et peut-être qu'à à cette occasion, j'aurais plus posé des questions sur cette époque-là. Parce qu'il était, il était né en Lituanie. Il était juif lituanien. Oui, oui. Tu es arrivé en France? Ben, je suis arrivé en France, à Paris, en 1928, le 5 mai. J'ai débarqué à la gare du Nord et où ma tante et ma sœur sont venues me chercher. Et après, tu parlais français ? Pas un mot, pas un seul mot. Et après, on m'a présenté mon oncle Mona, qui avait un magasin de chaussures, où ils m'ont installé, où je dormais là-bas. Mes beaux-parents m'ont donné 20 francs. Attends, mais vous n'étiez pas encore marié. 20 francs. Non, pas 20 francs. Bon, 200. Attends, tu mélanges. Comment 200 francs? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Hein? Non. N'importe quoi. Tu t'es installé à ton compte, mais tu n'étais pas encore marié avec maman. Non, on était fiancés. Non, on était fiancés. Ils m'ont donné 2000 francs, voilà. Où j'ai acheté un établi, un laminoir, et puis une bouteille d'oxygène. T'es pas marié? De gaz. Voilà. Au 51 rue des Francs-Bourgeois. Exactement, au 7e étage. Voilà. Bon, et c'est là que j'ai commencé à travailler à mon compte. Et puis, bon. Alors. C'est la bonne fausse carte d'identité de mon père. Et c'est grâce à ça qu'il a survécu. Oui. Notre nom de famille, c'est Birensweig. Oui. Et donc, il a moyennant finance, il a obtenu grosse finance. Il a pu obtenir cette fausse carte d'identité au nom de Stanislavski, un nom imaginaire. Ah oui, d'accord. Stanislavski. Et vous l'avez gardé, ce nom? Oui, c'est ça. J'ai gardé le double nom. Stanislavski, il a voulu, après la guerre, il a voulu garder les deux noms. Ouais. Stanislavski-Birensweig. Alors, dans quelles conditions il a fait cette carte? Alors, ça, c'est... ça devait être au mois de... C'était avant la liquidation du petit ghetto. Ça devait être au mois mars-avril 1943. Et c'est le ghetto, là? Le petit ghetto. C'était la liquidation. Le grand ghetto était déjà liquidé. Les meubles des Juifs qui étaient déportés, oui. Quand le grand ghetto était déporté, il y a des dizaines de milliers de Juifs qui sont partis, on ramassait les meubles, on les amenait dans cet entrepôt. Les très, très beaux meubles, les Allemands les prenaient. Les autres meubles, ils étaient réparés. On en donnait aux Polonais. On réparait toutes sortes de choses. On faisait la tapisserie, la décoration, etc. Donc, mes parents travaillaient là. Ah, ils travaillaient, puis ils vivaient sur place. Oui. Ouais. On recevait des rations. Oui. Les Allemands distribuaient des rations. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans ce Mebelager, il y avait beaucoup de Juifs cachés. Il y avait des familles entières qui étaient cachées dans des bunkers. Oui. Qui était organisé par mon oncle et ses aides. Et donc, quand les rations arrivaient, eux, ils étaient des illégaux, ils n'existaient pas. Ils n'avaient pas assez à manger, donc il fallait partager. Les rations, voilà, vous avez tout compris. Les rations qui arrivaient, ils étaient partagés. Mmh. Et mon père, avec d'autres, il passait, après une dure journée de travail, le soir, la nuit, ils entraient dans les bunkers pour sortir les... Hein, ceux qui dans étaient les cachés. Seaux. Dans les seaux, hein, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas d'eau. On amenait de la nourriture, on sortait le... pas besoin d'écrire. On amenait l'eau, les besoins de première nécessité pour les enfants, etc. C'était ça la vie dans le Mebelager. J'étais caché, j'étais dans une cave la plupart du temps. J'étais caché dans une cave, même sous la dans cuisine. Dans le ghetto? Ah oui, oui, oui. Et pourquoi dans le Mebelager. Les enfants, en dessous de 15 ans... D'un jeune de 15 ans où il était encore utile pour le travail, ah oui, en dessous, on n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit d'exister. Les enfants ils exterminaient à les 10 enfants. Heures, ah ben c'était la proie de choix des Allemands. Ah ouais. Les enfants, c'était surtout les enfants. Toute la famille du côté maternel, ils ont tous péri à Treblinka, sauf mon cousin. Ouais. Un cousin qui a survécu, qui est à New York actuellement. Et vos parents? Vos parents? Et donc nous avons échappé grâce à cette carte d'identité de mon père.
Donc oui. Après la guerre, oui. Vos parents et vous-même, oui. Vous êtes retournés en Pologne. Absolument. Il a retrouvé là où il On a retrouvé, on n'a rien retrouvé parce que tout ce on avait une petite entreprise, une oui. boutique de tapisserie, décoration. Et tous les biens qui étaient là, on l'a légué à une famille polonaise qui m'avait gardé. Mais c'est ceux qui vous ont caché. Et donc, une fois rentré en Pologne, à Częstochowa, il n'a rien retrouvé. Beaucoup de Juifs, après la guerre, sont retournés en Pologne. Ils étaient déçus après le pogrom de Kielce. Ouais. Après le pogrom de Kielce en 1946, c'était en juillet 1946, ils ont compris finalement qu'ils n'étaient pas bienvenus en Pologne. Ouais. Et là, les Juifs rescapés ont quitté la Pologne comme un seul homme. 100 000 Juifs ont quitté la Pologne ouais. du jour au lendemain. Et vos parents sont partis. Et on est partis à ce moment-là et on est venus à Paris. C'est voilà. là qu'on est venus à Paris. Le 9 février 1942. Au début, sous les ponts, tout au début, tout le monde est venu. D'accord, chacun a besoin. Est apparu à plusieurs reprises pendant la première époque. Certaines France se remet. Complexe, je voulais le convaincre de témoigner. Le jaune symbolise le diable. Marque infamante surgira à l'époque nazie avec l'étoile jaune. Bonjour, je vous appelle du mémorial de la Shoah à Paris, je m'appelle Marcel Stenberg. Et je vous appelle pour vous informer que nous allons commémorer le convoi numéro 67 dans lequel il y avait votre papa, maman, Paul et Fernande. Et si quelqu'un pouvait être là, il faudrait être là à 11h30. Enfin, vous verrez, vous avez le temps de décider. Hein, Ben, je me doute. Bon, mais non, mais ne vous... Tant mieux, ben, c'est un miracle. Hein. Ben, moi aussi. Oui. Ben, moi, j'avais le même âge que vous. Mais demandez-lui si vous pouvez venir. Bon. Non, mais attendez. Non, mais c'est votre papa et votre maman, quand même. Hein. Vous n'avez pas eu... Que quoi? Ben oui, non, mais bon, je vous le dis pas méchamment. Au revoir, monsieur et madame. Merci beaucoup. Ils s'engueulent sur deux téléphones, c'est pareil. Ah là 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 là. Ils aiment bien tous me raconter leur vie... Comme tout le monde, ben, ils veulent tous en placer une. J'ai ci, j'ai ça, elle est alitée, elle est malade, elle est âgée. Tout le monde a un peu son histoire dans son coin et eux, ils ne viendront pas. Et elle n'a pas aimé quand je leur dis, et presque tous, il faudrait que j'évite de le dire, quand je leur dis, ben, c'est votre papa et votre maman, hein, ils n'aiment pas. Je les comprends, ils ont raison, bon... Mais moi, dans mon cas personnel, moi, je m'écoute pas, moi. Quand c'est mon papa, ma maman, j'ai pas mal, j'ai pas froid. Et je suis toujours disponible. Thank you.
La difficulté, elle va être dès le matin, parce que dès le matin, nous avons 6 personnes et nous sommes 4, donc qui vont s'enchaîner entre 9h30 et 10h30. Donc on a quand même alors 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 personnes en fait. Après, l'après-midi, ça va être encore plus compliqué, parce que l'après-midi, on est reparti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes. D'accord. Et on a une idée du nombre de documents, on prenne tout, aucune information. Cette fois-ci, on n'a pas d'informations. Tout dépend aussi si c'est des témoins directs ou si c'est les enfants qui racontent. C'est pas tout à fait, évidemment, c'est pas le même récit, quoi. Donc voilà, la même émotion. Ça, je sais pas ce que hein. C'est, je ne l'ai pas légendé, etc. Quand c'est... T'as des gens qui sont même en troisième génération, qui sont tout d'un coup pris d'une émotion en ouvrant les documents, comme ça, et juste en découvrant, quelquefois même avec nous, les documents, en disant bon, j'avais cette boîte. Et là, t'as tout d'un coup une émotion de gens qui, au départ, viennent pour apporter une boîte et puis se rendent compte de ce qu'ils vont nous raconter. À Dijon, oui, il y avait cette dame avec son fils. Visiblement, il entendait pour la première fois l'histoire. Quoi. On était obligé de gérer le fils et la mère en même temps. C'était pas la même chose. Moi, j'ai eu les frères et sœurs. Hein. J'avais je te rappelle, la sœur, la grande sœur, la petite sœur, le frère, l'épouse, l'autre épouse. Ils avaient chacun une lourde histoire et ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et ils voulaient surtout que chacun puisse parler. Et comme c'est la grande sœur qui avait commencé à parler, donc les autres n'étaient pas contents. Enfin, c'était très compliqué à gérer parce qu'à un moment, la grande sœur elle a dit « puisque c'est comme ça, je me lève, je m'en vais ». Et c'était elle qui avait les documents en fait. Donc c'était juste un petit peu embêtant. Donc il fallait rasseoir les gens. Attends, tout va bien se passer, on va d'abord chercher un petit thé. Mais bon... Je vous ai apporté quelque chose qui m'a été remis tout à l'heure dans une chorale yiddish qui n'a rien à voir avec le mémorial de la Shoah, mais où quelqu'un a entendu que j'étais bénévole et donc a l'intention de voir si ça intéresse le mémorial. Donc voilà. Alors j'ai une photocopie de cette dame. Donc vous pouvez voir que. Voilà, donc la seule chose qu'elle médite, c'est que c'est des tableaux qui ont été peints donc, à Theresienstadt en 1943-1944. Cette dame, voilà, c'est pas qu'elle ne sait pas quoi faire, c'est qu'elle est là avec ce... Et elle est prête à les donner ? Elle est prête à les donner. Qu'est-ce qu'on voit exactement ? Ça ressemble pas à la forteresse de Theresienstadt, mais bon. Peut-être un des extérieurs. Est-ce que ces travaux de collègues vont vous servir aussi à refaire l'histoire, à réécrire et puis donner un parcours, une histoire à des gens qui sont morts Voilà, les gens qui viennent en fait sont héritiers de l'histoire de leurs parents, oui. De leurs grands-parents et leur propre histoire. Ouais. Souvent, là, on arrive à des générations. Où ils étaient enfants pendant la guerre, donc ils nous racontent comment eux ont survécu et qu'est-ce qui est advenu de leur maman, etc. Donc on prend le témoignage de ces personnes-là, on prend leurs documents et pour nous ça fait un tout, ça fait un destin qu'on va réutiliser dans des expositions et surtout qu'on sauvegarde et qu'on met dans la mémoire générale de cette histoire. Alors ça, c'est la médaille de Verdun, on ne passe pas. Alors, ça, c'est la médaille de guerre qui recevait comme ça, puisqu'à l'époque, on décorait beaucoup. Il a été interné dans la région de Nancy, mais quelques mois, c'est tout. C'est là où il avait quand même l'étoile juive, là. Et donc, il est resté que quelques mois. Quand il y a eu la libération, Il est revenu chez lui, mais l'appartement était occupé par les voisins. Alors il leur a dit, bon,
je rentre chez moi. Ils m'ont dit, eh ben, heureusement qu'on était là, parce qu'on a tout sauvé, les meubles et tout, on vous a tout gardé. Hein, pour le faire. Hein. Et on a retrouvé des pièces dans les archives de la police, comme quoi c'est eux qui l'avaient dénoncé. On a retrouvé des documents comme quoi ils avaient écrit pour le dénoncer comme un juif qui s'était caché. Et donc, ils lui ont dit, oui, oui, heureusement qu'on était là, on vous a tous sauvé. Alors là, ça, c'est une photo de famille, en 1942. Alors, est-ce que vous souhaitez que je mette les... Hein? Alors, mais je le mets derrière en... Ou alors sur un petit post-it, peut-être. Vous connaissez tout le monde, là? Ah oui. Monsieur, nous, la première fois quand j'avais 7 ans, on l'a vu à la télévision des extraits de cadavres là, ambulants, des choses horribles. Et mes parents ont dit, allez vite, dans votre chambre, on vous portera à manger. Ils nous ont mis, mon frère et moi, j'ai dit, tu sais, moi j'ai rien fait, je ne sais pas pourquoi je serais punie, je ne vais pas aller dans la chambre, on va attendre. Et après, on a attendu un petit moment et je n'osais plus y aller, on était impressionnés, on n'osait pas rompre leur intimité. Mon frère est allé et il me dit, écoute, tu sais, je crois qu'ils ont besoin de nous. Alors j'ai dit, bon, alors on y va. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, tu vas voir. On est rentré dans la salle à manger. J'avais vu mon père et mon grand-père qui étaient en train de pleurer. On est allé courageusement, on les a embrassés et on leur a dit, mais vous savez, on est là, nous, maintenant. Et il faut que vous occupiez de nous. Alors, ils ont un grand, grand sourire. Ils sont allés chercher une bouteille de mousseux. Il a dit, on leur boit la libération. Mon oncle, avec sa famille, et mes parents, avec nous, ont décidé de rester à Clermont-Ferrand et de ne pas remonter à Paris. C'est ce qu'on appelle avoir un certain sens de l'histoire. Mais je crois que c'est dû au fait qu'ils étaient très politisés. D'accord. Et très actifs. Donc ils sont restés à Clermont-Ferrand, ils sont restés donc en zone libre, en exerçant leur métier de tailleur à Clermont-Ferrand. D'accord. Et vous êtes né à cette période-là? Et moi, je suis né à ce moment-là, à Clermont-Ferrand, quand ils sont restés à Clermont-Ferrand. Et ils ont très vite fait partie d'un réseau de résistance. Et ils abritaient dans notre petit appartement un Italien. Je m'en souviens parce qu'ils en ont parlé, parce qu'ils en ont un peu parlé. Donc, qui était spécialisé dans la fabrication de faux papiers. Et mes parents, qui ont eu droit à quelques contrôles, ont eu la chance, parce qu'ils l'ont provoqué, d'avoir une série de faux papiers qui est, je crois, exceptionnelle, et c'est pour ça que je voulais le confier au mémorial de la Shoah, c'est qu'ils ont non seulement les cartes d'identité, les fausses cartes d'identité, ça beaucoup de gens en ont, mais ils ont également un livret de famille, officiel, un vrai faux, au nom de Bueno, avec leurs deux enfants, qui étaient mon frère Joseph et moi-même. Et c'est là où je disais que je voudrais retrouver le nom du maire de Choria qui a fait ces faux papiers, il y en a d'autres, et qui, je crois, avait été arrêté. Du centre de démobilisation de Clermont-Ferrand, mon père était censé avoir été démobilisé au nom de Bueno en juillet 40. Le décret de naturalisation qu'ils ont obtenu, paraît-il, le 12 septembre 1939. Des extraits de naissance, les certificats de travail, tout au nom de Bueno. Et grâce à ça, disons qu'ils ont pu voyager et ne pas être inquiétés. Et c'est ce que je vais vous laisser. D'accord. Voilà. Et ce que je vais vous raconter, parce que ça mérite d'être raconté, je vais vous raconter comment j'ai retrouver la maison où nous avons été cachés, parce que je n'étais qu'un bébé. 2 ans à 4 ans, c'est très peu. Et je n'avais en mémoire que 2 images dans ma tête. L'image d'un beau jardin carré, bien entretenu, et l'image, au contraire, d'un petit jardin de rien du tout, avec au fond une cabane, avec une porte avec un cœur. Comme beaucoup d'endroits, c'était les toilettes. Et je n'avais qu'une phrase
que ma mère avait accepté de me dire, c'est que je n'avais jamais manqué de lait étant bébé pendant la guerre, ce qui, étant caché pendant 2 ans, était quand même assez étrange. Et donc, quand il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé d'aller voir à Cadouin, de visiter l'abbaye qui est magnifique et de visiter ce cloître, j'ai eu une vision, j'ai retrouvé la seule image que j'avais dans ma tête et j'ai cherché à aller plus loin. Et j'ai dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de retrouver l'endroit où on était caché? Et j'ai demandé si quelqu'un de vivant était présent pendant la guerre et on m'a donné le nom d'une madame Roquejoffre qui habitait juste en face de l'abbaye. Donc je suis allé frapper à sa porte. Sa fille, qui était handicapée, qui devait avoir une 60aine d'années à l'époque, nous a ouvert la porte, m'a dit de me présenter en face de sa mère qui était sourde pour bien qu'elle puisse m'entendre. Et quand je me suis retrouvé en face de cette femme merveilleuse qui avait des yeux perçants, je lui ai dit je suis venu vous voir parce que vous étiez là pendant la guerre et je ne sais pas si vous avez eu connaissance d'une famille juive qui était cachée à Cadouin pendant cette période. Et elle m'a dit vous vous appelez comment? Je lui ai dit, je m'appelle François Feldman. Et elle m'a fait, mais tu es mon petit François. Ça veut dire que par hasard, j'ai frappé exactement à la porte de la femme qui était cuisinière de l'abbaye et qui m'a raconté notre histoire que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que nous étions cachés par les sœurs de l'abbaye dans une maison mitoyenne à la sienne. Elle était cuisinière. Et tous les jours, puisqu'on ne sortait pas, elle nous apportait à manger. Et ensuite, elle m'a dit, je vais te montrer maintenant par où ta maman me passait le bébé que tu étais pour que je te donne du lait, car tu n'as jamais manqué de lait. Mon mari travaillait à la ferme et te ramenait du lait tous les jours. Et c'est comme ça que je suis monté dans ce petit jardin qui n'avait l'air de rien du tout, mais qui avait une petite porte avec un cœur au fond. Ça, c'est quelque chose. Voilà, une belle histoire qui se termine bien. 18. Voilà, comme ça, tout y est. Parfait. J'ai rajouté 2 cartes postales et 1 lettre. Parfait. D'accord. Beaucoup de livrets militaires et les photos sont au début. Voilà. D'accord. Un peu ça. Ces deux filles, elle s'appelle Ganon. D'accord. Où est la photo originale? Ah ben, elle est en dépôt chez quelqu'un, chez le responsable. Là, c'est une photocopie, évidemment. L'original, c'est quelqu'un d'autre qui l'a ou une reproduction. Et sûrement sur la famille. Enfin, c'est très dur à expliquer tout. Mais j'espère que vous avez compris quelque chose. Il y a le groupe qui est là, oui. De toute façon, je me sépare de tout parce que je ne suis pas là d'être là sûr dans 50 ans. Il faut quelqu'un du bâtiment qui arrive à bien éclaircir l'affaire. Hein. Là, il faudrait la journée pour que je vous raconte tout. Hein. Dis donc, Hubert, je t'ai pas prêté un bouquin un dimanche à Auschwitz. Parce que j'ai trouvé un papier comme je l'avais prêté. Mais la question, est-ce que tu me l'as rendu?
un dimanche à Auschwitz. Si je voulais avoir voir l'original. Non mais l'original, vous ne l'aurez jamais. Hein. C'est déjà un boulot monstre pour aller l'avoir retrouvé en photocopie. Alors, qui c'est qui vous a donné cette photocopie? C'est monsieur... Demeyck. Demeyck. Oui, je vous ai marqué le numéro de téléphone. D'accord, oui. Voilà. C'est... D'accord. Et lui, il l'a eu où? Il l'a eu par ses recherches. Hein. Pensez bien que les familles ne vont pas vous donner l'original. Hein. Bah, y a beaucoup de familles qui nous donnent les originaux, vous savez. Mais d'accord, mais ça dépend de quelle famille. Hein, moi, ça, ouais. Voilà, j'avais un sac, je vais vous le donner. Non, non, vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Hein. Mais j'ai un sac, là, je vais vous mettre dedans. Ouais, comme vous voulez. Quelqu'un qui veut travailler, il a de quoi s'occuper. Oh, merci de vous être déplacé, en tout cas, merci d'être venu. Bah oui. J'ai donné des documents qui concernent M. Avramovic. Si vous voulez qu'on fasse une fiche. Oui. Oui, si on a des questions plus par. Oui, si on a des questions sur monsieur. Mais c'est tout un roman. Si ça ne t'intéresse pas, on s'en va. Tu dis ça ne t'intéresse pas. Mais que tu veux que je raconte, puisque tu as le papier. Non, non, mais tu veux pas ça, on sort. Dès que tu n'as rien à dire, on s'en va bien. Je n'oblige pas, moi. Hein. Oui, je sais bien que tu me dises. Je ne sais pas. Tu es venu pour quelque chose. Ben, pour voir des gens. Ça y est, d'accord. Mais tu peux répondre à un témoignage. Mais. Vous n'avez pas un double whisky pour mon ami? Non, pour le faire parler. Vous avez tout dans le machin, là. Mais d'accord, bah alors... Vous avez mon nom? Oui, d'accord, ah ben voilà. J'ai noté. Avramovici. Ah oui. De cette partie-là, de la guerre, il vous reste des documents, des choses de votre père, parce que ça concerne l'immédiate après-guerre. Oui, c'est l'immédiate. De tout ce que vous avez là, est-ce qu'il y a des choses qui concernent vraiment, par exemple, le brassard? Alors, ça, le brassard, oui. Le brassard, je suppose que c'est lui qui l'a... Enfin, lui ou, je ne sais pas, quelqu'un de sa famille qui l'a fabriqué, parce qu'on voit bien que ça a été fait... Qu'est-ce qu'il vous a dit sur ce brassard? Il nous a expliqué qu'ils étaient obligés de le porter. Dans le ghetto. Voilà, mais... Oui. Donc ça, ce serait le brassard que lui portait dans le ghetto. Que mon père portait, oui. D'accord. Dans le ghetto de Tarnov. Oui. D'accord. Et ça, c'est des documents que vous confiez au mémorial ou on les reproduit en vous les rend? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Je pense que c'est un objet de musée. C'est vraiment quelque chose qui doit être conservé dans un musée. Si vous voulez, moi, j'ai envie que ça reste... qu'il reste quelque chose. Puisque de la famille, maintenant, il ne reste plus que moi. Donc, j'ai envie que ça... qu'il reste une trace. La transition, c'est justement ce qu'on disait déjà. Il y a la dernière personne qui est arrivée hier, elle est arrivée en courant, elle sortait de son travail avec son sac à main, etc. Enfin bon, bref, on allait tout fermer. Et elle arrive, en fait, elle est relativement jeune, quoi. Elle est née entre 50 et 60. Donc, et alors elle déballe tout ce qu'elle a. Elle dit je suis désolée, et il y en a plein partout. Et en fait, elle sort des choses extraordinaires. Elle sort un brassard qui venait du ghetto de Tarnov. Elle raconte que son père, mais elle raconte vraiment très brièvement parce qu'elle ne sait pas trop, en fait. Il y a eu trop de temps entre eux. Et elle raconte surtout que son père n'a pas trop raconté. Donc, c'était confus, mais ce qu'on a compris, c'est que quand même, son père était dans le ghetto de Tarnov, il avait 15 ans, il avait 16 ans, il a porté le brassard, et il a pu s'évader, alors que toute sa famille était déportée. Sa mère, pareil, elle est, elle est, euh,
elle est aussi du côté de Tarnov. Elle est dans les bois où, je sais pas, elle arrive, elle voit, elle se cache juste au moment où les Allemands arrivent et déportent tout le village. Donc elle réussit dans les bois à se cacher. Et après, elle montre le brassard. Elle montre un brassard dans un état presque comme si on venait de faire la veille, quoi. C'était un document extraordinaire, un brassard avec l'étoile de David. Cousu en bleu, exactement ce qu'on voit sur les photos, ce qu'on voit très très rarement en vrai. Et donc je suis dit, mais là c'est un document de musée, il faudrait que le mémorial ait ce document. Et alors elle dit, bah, je sais pas, j'ai jamais réfléchi, bah oui peut-être, je sais pas, bon d'accord. Monsieur Stanislavski, vous nous êtes déjà venu, on s'est déjà vu, et vous nous apportez des photos c'est ce, pour c'est compléter, ce que vous c'est ça oui. C'est, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le cimetière Donc, le ça cimetière concernait... juif, tel que
Mes parents l'ont découvert en 1946. Oui, c'est ça. Donc, ils étaient revenus dans leur ville de naissance. Dans ville natale, à Chesterfield. Oui, ville natale. Oui. Et, donc, et le cimetière était... C'est le cimetière juif, oui, de Chesterhof, qui se trouvait en dehors de la ville. Oui. Et donc, voilà l'état dans lequel mes parents l'ont trouvé quand ils l'ont visité. Donc, vous voyez, là, les tombes sont renversées. Oui. La plupart des tombes. Ça, c'est ma maman, mon papa. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on voit, c'est que les tombes ont été dévastées. Toutes les tombes sont renversées, voilà, démolies, cassées. Vous voyez, même ici, ils ont buriné les inscriptions en hébreu. Oui. Hein, ça ne suffisait pas de renverser la tombe et de la casser, mais les inscriptions ont été complètement démolies. C'est de la pure haine. Hein. Oui. Alors, on ne sait pas si c'est les Allemands ou les Polonais, ou les uns qui ont commencé, les autres qui ont terminé. Mais en tout cas, voilà. Oui. On va prendre celui-là qui est très symbolique. Voilà. Alors, c'est fait sous forme d'un porte-cigarette. On mettait des cigarettes à l'intérieur. Et quand on manœuvrait la barre de la sentinelle, la cigarette apparaissait là. Voilà. Il faut voir le genre de matériaux. Si vous regardez, c'est quoi il a fait ça? C'est des boîtes de conserve tapées pour faire du métal. Hein. Vous voyez? Mon père s'est engagé dans la Légion étrangère en 1939 et il a été démobilisé en 1940. De cette même Légion, parce que le maréchal Pétain n'avait pas confiance dans la Légion étrangère. Il n'aimait pas les étrangers, évidemment. Et donc, après son retour de la Légion, mon père a été arrêté pendant la rafle du billet vert le 14 mai 1941 et conduit à Pithiviers. Bon, à Pithiviers, les hommes s'occupaient, comme tous les prisonniers, il y en a qui chantaient, il y en a qui faisaient de la peinture, il y en a qui faisaient des objets. Ils ont d'abord reconstruit le camp, et après, ils avaient des outils pour travailler le bois, enfin, quelques outils. Et mon père, qui avait des mains en or, a fait des objets pour envoyer des messages à la famille. Ce sont des objets très, comment dirais-je, c'est très symboliques. Bien sûr, le bateau, c'est le voyage, l'évasion, la terre promise, en même temps, un message d'espoir. Et il y a encore les trois couleurs à l'intérieur, bleu, blanc, rouge, et avec une petite lampe qui s'allume. Voilà. Vous avez ici Pithiviers, 41-42, Raymond, et de l'autre côté, à mon fils. Voilà. Ils étaient gardés par des gardes mobiles français. Mais les objets pouvaient sortir dans des paquets de linge sale. Je me souviens qu'on recevait les paquets de linge sale, je ne me souviens pas qu'on lui envoyait du linge. Mais enfin, à l'époque, j'étais quand même pas très vieux. Et donc, le bateau est arrivé en trois morceaux. La mer, le socle, et puis les structures, avec les antennes, etc. Et ça, je l'ai matin et soir sous les yeux parce que j'ai une pensée. C'est tout ce qui me reste de mon père. Ça et une poignée de terre que j'ai ramenée d'Auschwitz. C'est tout ce qui me reste. Et donc, peut-être que vous avez vu tout à l'heure comment je fais attention quand on le déballe parce que effectivement, c'est tout ce qui me reste. Voilà. Pithiviers. Alors, donc, Pithiviers, 41-42, baraque 14. Avec la roue arrière articulée, n'est-ce pas? De l'autre côté, Raymond Stronf, matricule 1329, c'était le matricule de mon père.
Et le cockpit s'ouvre avec la gravure des petits appareils et le petit bonhomme qu'on voit à l'intérieur, le pilote. Mon père a été déporté le 25 juin 1942. Donc, mai, juin, il est resté 13 mois à Pithiviers. Et c'est par le convoi numéro 4. Convoi numéro 4. Donc, il a été envoyé à Auschwitz directement de Pithiviers. Oui, il est parti directement de Pithiviers à Auschwitz, où il est arrivé le 27 ou le 28. Mmh. Et d'après les papiers que j'ai, il est mort en septembre 1942. Il serait mort du typhus ou d'autres choses, parce que c'est quelqu'un qui l'a raconté à quelqu'un, qui nous l'a dit à la fin de la guerre, mais bon, de toute manière, la moitié des hommes mourraient du typhus. Hein. Alors, ça c'est un porte-plume, évidemment c'est bien sûr très, très symbolique, et ça il l'a fait pour ma cousine, dont la mère, c'est elle qui m'a élevé. Après la disparition de mes parents. Elle s'appelait Liliane. Elle vit à côté de Grasse en ce moment. Alors ça, je me rappelle les épisodes pour les lettres. On prenait des boîtes en carton de petit format, là, comme celle qui est là-bas, et on les décollait et on glissait les lettres. Tu vois, dans le carton ? Dans le carton, et on recollait. On recollait. C'est comme ça que tu as reçu des lettres. C'est comme ça qu'on échangeait les lettres, oui. Pour pas qu'elles soient. Qu'elles passent pas la censure. Pour pas qu'elles passent la censure. Qu'on les trouve pas. Voilà. Je viens vous annoncer la nouvelle que je pars demain matin. Je suis tranquille et calme. J'ai plus peur. Contre le destin, on n'y peut rien. Faire seulement attention à toi, mon petit coco, mon seul trésor. C'est coco, c'est toi ? Elle s'est adressée directement à toi. Oui, parce que Raymond, ce n'est pas un prénom hongrois. C'est un vieux prénom français, oui, que mes parents m'avaient donné. Et en Hongrie, la famille qui est en Hongrie n'arrivait pas à prononcer Raymond, et donc ils m'ont appelé Coco. Et c'est quelque chose qui m'est resté quand j'étais petit. Alors, mon chéri, obéis bien à ta tante, sois sage. Pour ton prochain anniversaire, je te souhaite une seule chose, seulement revoir bientôt ton papa et maman. Embrasse tous les soirs notre photo. Tu dormiras bien. Elle me dit bien, embrasse la photo tous les soirs. Et je peux vous dire que je le fais. Et tous les soirs. Tous les soirs, c'est du bois, et moi j'adore le bois, peut-être à cause de ça, et tous les soirs, ça me calme, je pose la main dessus. Donc 76 000 noms qui appartiennent aux personnes juives qui ont été déportées depuis la France et uniquement depuis la France durant la guerre. Mais derrière tous ces chiffres, qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait des destins individuels.
ce que l'on a parfois tendance à oublier, c'est que le génocide, c'est vouloir également s'attaquer à la culture, à la mémoire et à tous les souvenirs. Les nazis l'expliquaient très clairement. Ils disaient, dans 200 à 300 ans, les générations futures ne sauront même pas que les juifs ont existé, qu'il y a eu des juifs sur Terre. Donc vous voyez, ça va bien au-delà de s'attaquer aux simples personnes. C'est vouloir faire comme si ces gens n'avaient jamais existé, n'avaient jamais mis le pied sur Terre. Ensuite, pour aller les arrêter, les rafles, vous avez entendu parler des rafles. Il y a une rafle très connue qui est... Oui, très bien, la rafle du Bel-Lille. 16 juillet 42, à Paris, 13 000 personnes à arrêter. Oui, voilà, c'est 39. Mon frère, moi et